casquette. Yes. Le père. Bienvenue. Bonjour. Salut. Chez toi. Oui. Deux Olympias, et pour beaucoup l'Olympia c'est beaucoup, c'est plus grand que le Zénith, mais moi je suis pas de la génération Olympia. Non. Je suis de la génération Zénith. L'Olympia j'étais fier bien sûr de le faire, et puis c'était des concerts super émouvants et super forts, mais c'était surtout que ma mère elle passait et puis il y avait Diam s'écrit sur l'Olympia, je pense ça elle était fière. Alors que le Zénith c'est moi là. Oui c'est toi. C'est moi, je me dis merde, je fais comme NTM. Non, c'est vrai, c'est fou. C'est fou, mais derrière ça, c'est... Je vais pas me laisser démonter, quoi. C'est-à-dire que là, je suis là en train de parler comme une gamine et tout, mais ce soir, ce sera mon zénith, quoi. Et j'espère que je vais le brûler. Ouais. J'espère que je vais le brûler, le zénith de Paris. Il faut que je le brûle, d'ailleurs. Il faut que je le brûle, il faut que les gens ils disent non, c'était mortel. Je veux que les gens repartent contents. Quand j'ai fait NTM, j'étais là. Ici. Là. The Roots, j'étais là-haut. 50 Cent, j'étais là-haut. Kanye West, j'étais là. Je suis même allé voir Goldman, j'étais là. Jamel, j'étais là. J'y suis tellement allé dans cette salle. J'ai vu tellement de concerts avant. Me dire que les gens qui vont y avoir le même nombre de personnes, ils vont être là pour moi. Le public, ouais. Tu sais, j'arrête pas de me mettre dans la tête que le trajet que j'ai fait de Porte de la Villette à l'entrée du Zénith, moi je l'ai fait 1000 fois pour aller voir des artistes. Mais il y a des gens qui vont le faire pour moi. C'est de me dire que les gens ils vont marcher, ils vont discuter entre eux, des mecs qui vont donner des tracks. Ouais, nouvel album de machin, ouais, qui veut une place, ouais. Ça va être froid, là. Ça me fait bizarre, putain. Hey, Ken. Ça va? Ça va, père? Ouais. Ouais, j'ai mis une nouvelle coupe ou quoi? Ouais. Ça y est, tu dis Popis? Bonjour. Ils sont tous arrivés en rocker, ils vont repartir en rappeur. Là, il met des 4. Avant, il mettait des Tiag. J'en mis... Ouais, bon, là, il a pas mis les Air Max encore. Ah, bien. Bonjour à toi. Micro-défi. Mortel. Ouais, c'est 10 fois mieux hein, que leur petit micro. Non, mais c'est vrai. Oh. Dame Chou. Ça va? Ok. Tranquille. Bonjour. T'as vu comme il est beau? Ah oui, effectivement. Ça va, vachement bien. Alors, ouais, je me la raconte, ouais, je déconne. C'est pas l'école qui m'a dit. Le sign, oh man. Et ça, c'est transparent. Oui, je me doute, ouais. T'as toute la lumière qui va passer par en dessous. Et même quand il va arriver en j'ai l'impression que mon zénith est plus beau que celui des autres. Ah bah c'est clair. Même, hein. Ah bah c'est clair. Mais, là, on est d'accord. On hein. Est d'accord. Là, c'est plus joli. Bonjour. Mehdi doit être comme un fou. Mais mon DJ, c'est vraiment... avec lui que je me régale. Là. Parce que c'est avec lui que j'ai commencé vraiment les toutes petites salles. Mais vraiment les toutes petites salles. Ou les grandes salles où on voulait pas de nous, parce qu'il y a aussi ça. Et là, tout d'un coup... Mehdi et moi, on va faire le zénith. Lui aussi, il a la génération NTM grave. Et c'est lui le témoin de mon mariage avec les gens, je le dis, hein. C'est le témoin de mon mariage avec le public. Parce qu'au début, c'est nous, on allait chercher les gens, aujourd'hui, les gens, ils viennent à nous. C'est incroyable. Je ne rentre pas chez moi les soirs de date parisienne pour rester sur mon petit nuage. Voilà, parce que la réalité, elle est trop violente.
le DF, GDF et les factures Orange après un Zénith, l'ascenseur émotionnel, il est trop fort. C'est OK pour vous ? Eh ben, fin de matin. OK, c'est bon. Je peux te mettre à banlieue, hein ? Ah ouais. Je rappe. Pour moi, d'ici, ça va, tu vois, toi ? C'est le point de fin, le petit banlieusard. Dis déjà maman. Viens, je vais te montrer une copine. James dans sa tête c'est un diamant. Alors attends, ouais, très bien, je change après. Très bien décoré, tu vois, des diamants. Mais le vrai diamant, c'est what? Ça va? Non, j'espère que tu vas kiffer. J'espère que tu vas kiffer, Safia. Ouais. Et au moins, t'as à kiffer. Tu connais toutes tes chansons par cœur? Oui. Tu commences par quelle chanson? La boulette? Ah oh, ouais. Ah d'accord. Et je fais Suzy. Rap et je déchire. Et tu fais ma France à moi, ma France à moi. C'est ça, moi, j'ai mal de bouche pour être son frère. Je suis fier de moi. Ah oui, j'espère que tu vas kiffer, ça. Non, t'es pas venu encore. La première fois que je la vois en concert. Ouais, et j'avais venu encore. Bah écoute, tu t'es bien mis en tenue de Diam, CPS, très bien. J'ai mis mes teams. Voilà. Je suis en Zulu Nation. Je recommande ta Zulu Nation. 8 minutes on va, Mélanie. Allez, force. Force. My Fossa. D-I-A-M apostrophe S-I. La puissance. Attends, je prends mon téléphone dedans si jamais la Nino appelle. Eh, tu flippes? On est en train de stresser là. Tu flippes? Connasse, va. Ça m'énerve. Quoi, petite bouteille d'eau. Ah, madame, voyons, bah bien sûr. Je peux prendre un baristo. Vas-y, allez, à tout à l'heure. Merci, bye bye. Allez, 5 minutes en bas. James, Ta France me regarde. Elle t'attend. James. DJ, j'avais jamais vu un DJ maquillé, tu vois. Dans le hip-hop, on se maquille maintenant. Oh non. Thank you.
bien, man. Il m'a envoyé un petit message. Je suis contente. Il a dit qu'il a kiffé. Ouais, il m'avait jamais vu sur scène, alors je suis trop contente qu'il ait apprécié. Jamel, c'est une longue histoire. Je l'ai dit sur scène hier, j'avais des larmes aux yeux. Il croyait en moi à l'époque. Plus personne croyait en moi. C'était la star. Et voilà, il avait écouté Suzy. Je crois que c'est Momo, son frère, qui lui avait fait écouter. Il avait écouté Suzy, il avait kiffé. Et puis il m'avait dit, si tu déchires au concert, il faisait la dernière de H. Il m'avait dit, si tu déchires sur scène, je te fais une surprise. Et j'avais déchiré sur scène et il m'avait amené à LA voir Snoop. Ben nous voilà repartis pour le Zénith. Deuxième soir. C'est toujours un peu bizarre la première, je crois, vraiment. Hier, j'étais un peu déboussolée, en fait, hier. Il y avait le stress. La pression, le trac, la peur de décevoir. Donc tu fais tout le concert un peu dans la crainte. Mais ça fait bizarre, quoi. À un moment, sur la scène, je voulais pas prendre conscience, j'étais au Zénith de Paris, parce que je pense que je me serais effondrée, en fait. Et j'ai peur de prendre conscience ce soir. Parce que je vais m'effondrer. Je te laisse ça, mais allez, parce que je te le dis. 23h hier soir. C'est de la bombe, bébé. Hier soir, au Zénith, la phrase de Joey Star et NTM ne s'adresse pas à la Seine-Saint-Denis, mais à Diams. Fille du bitume, du rap et de l'Essonne, qui enflamme depuis presque 2 heures la salle archimondée de ses fans, dont Jamel Debbouze et Omar sans Fred. Émouvante, survoltée, joyeuse, engagée, féminine. Pour sa première grande salle à Paris, cette boule de feu de 25 ans, dont le dernier album Dans ma bulle s'est vendu à plus de 500 000 exemplaires, a fait exploser le Zénith. Diam, c'est de l'or en bas. Le Parisien, Hugo. Ça, c'est notre journal, nous, les banlieusards. On lit ça, nous. Le Parisien, sauf que là, j'ai pas l'édition de l'Essonne. C'est l'édition de Paris, ça. Bon, je te laisse. Bon, à tout à l'heure. Y'a comme un goût de gêne, y'a comme un goût d'erreur, y'a comme un goût d'erreur. Me demande pas ce qu'il épouse, ça casse des vitrines. Y'a comme un goût de viol, y'a comme un goût d'alcool, y'a comme un goût de peur, y'a comme un goût de bœuf. Me demande pas ce qu'il épouse, ça te casse les couilles. Check en bas ou quoi? Il a tremblé là. Je vais pleurer. Mais... Allez, c'est parti. Vas-y. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 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
Après, t'as vu, vous jouez longtemps du piano. Ouais. Moi, je joue du boom beat, t'as vu, mais bon, sinon, voilà, non, franchement, voilà. Non, ça, c'est moi, ça. Ça, c'est moi, je quitterai jamais mon piano. Tout. Mais c'est tout. C'est ouais. Non, mais rien à dire là-dessus, voilà. C'est ouais. Je te l'aurais dit. Bon, on peut y aller maintenant. Alors, franchement, après, voilà, merci, je vais te laisser te ressourcer un peu. Merci, c'est bien, c'est bien venu, en tout cas. Bah, écoute, ouais. On est le 16 novembre, il est bientôt minuit. Et j'ai mon public sous les yeux. Après tout ce temps, j'avais besoin de vider mon sac. Et tout d'un coup, je me sens mieux. Quoi qu'il arrive, je vous jure, je garderai que le meilleur de tout ça. Peu importe l'avenir, c'est tout ce que je sais faire. Moi, je...